Jack, j'avais oublié. Je possède ce merveilleux compas qui m'indique où se trouve ce que je veux. Alors pourquoi aurais-je besoin de vous ? On ne marchande pas, Elisabeth. Absolument hors de question. Ce n'était pas une question. Il vous indique ce que vous voulez le plus. Et ce n'est pas la confrérie, n'est-ce pas ? Alors qu'est-ce que c'est, Jack ? Moi ? Moi ? C'est d'accord. Quoi ? Je ne suis pas d'accord. Tout ça, c'est ta faute. S'il faut ça pour nous libérer, c'est d'accord. Diable. D'un autre côté, si je vous tue, le compas pourrait me servir à trouver la baie des naufragés sans votre aide. Ça s'appelle supprimer les intermédiaires. Elisabeth, ce sont des pirates. Je crois avoir suffisamment d'expérience avec les pirates. Il me semble que nous avons un accord. Si vous me tuez, vous arriverez à la baie pour y trouver une forteresse quasi imprenable, qui peut soutenir un blocus pendant des années. Et là, vous vous direz, si seulement j'avais pas tué l'homme dont j'aurais besoin à l'intérieur, pour faire en sorte que les pirates se décident enfin à sortir. Vous pourriez accomplir cela, vous êtes sûr? Vous pouvez me tuer, mon ami, mais ne m'insultez pas. Alors, qui suis-je? Je suis le capitaine Sparrow. C'est d'accord. Et je remercie le ciel, parce qu'autrement, je ne pourrais pas faire ça. Et je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. Ce pestilentiel traître, ce crapaud visqueux, ce serpent au fer. Quel navire faut-il suivre? Que le Hollandais volant prenne en chasse Southend. Nous suivrons le Pearl. Informez-moi quand nous serons prêts à appareiller. Établit-il un plan à l'avance? Ou improvise-t-il au fur et à mesure? Désolé.